Qu'est-ce que tu fais? Je réparais le petit déjeuner. Arrête, y a Anthony et Blanche qui dorment. Ah, ça va, j'avais oublié. Bon, bah, qu'est-ce que je fais alors? Rallonge-toi. Moi, je te connais, hein. Quoi? Quoi? Non, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Non, on attend qu'il se réveille. Mais s'il se réveille dans 2 heures? Dis-moi, toi, t'es pas bien avec moi? Si, si, si. Bon. Non, écoute, j'ai un problème. Quoi, Virginie, lequel? J'ai faim. Tu peux pas attendre un petit peu? Mais tu vas pas travailler, toi, ce matin? Si, mais pas tout de suite, j'ai le temps, là, c'est bon. Allez, viens. Oh, mais j'ai faim. Oh, bah, cette tête, t'es pas bien avec moi? Si. Excuse-moi, j'ai renversé un verre. Enfin, rendors-toi, hein, vas-y, rendors-toi. Non, ça va, j'ai assez dormi. Bon, bah, je vais allumer la lumière alors. Ça va, t'as bien dormi? Ouais, très bien, oui. Tu sais, si tu veux prendre le canapé ce soir, je peux dormir dans le placard. Non, hors de question. Le canapé, c'est pour toi, parce qu'il est confortable. Et... moi, mon truc, c'est le placard. T'es adorable. Hmm? Tu sais, faut pas que tu m'en veuilles pour hier soir. T'en vouloir, pourquoi? Ah, d'avoir voulu dormir seule. Oh. Écoute. Tu sais, j'ai besoin d'un peu de temps. Tu vois, tout s'est passé tellement vite avec Paul. Je sais plus très bien où j'en suis, là. Tu m'en veux pas? Non, je comprends bien. Merci. Ah, excusez-moi. Non, tu peux rentrer, Virginie. Tu ne nous déranges pas. C'est pas Anthony? Non, ça va, Virginie, ça va. Justine, tu m'écoutes? Justine! Quoi? Mais je te parle! Excuse-moi. Ça va? Ouais. J'ai un peu mal à la tête. Ah, tu veux que je demande une aspirine aux jumelles? Non. Non, merci. Mais tu dois couver quelque chose. Déjà hier, je te sentais pas très bien. Ouais, ça va mieux qu'hier déjà. Mais t'es sûre, hein, parce que vraiment, je trouve que t'as une petite mine. J'ai rien, j'ai. Je crois que j'ai pas dû assez dormir la nuit dernière. Alors ce soir, on se couche tôt. D'accord. Bon, alors qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Je sais pas, t'as quelque chose de prévu, toi? Ouais, moi j'ai promis à ma mère de l'aider à vider la cave. Oh, c'est réjouissant, ça, comme programme. Oui, donc je comprendrais très bien que tu n'aies pas du tout envie de venir avec. C'est vrai? Bon, je vais me sentir très seul, mais c'est pas grave. Oh, Jérôme, t'es un amour. Si tu veux, on se retrouve après, vers 3 heures. Ouais, très bien. Comme ça, je vais déjeuner avec les filles et puis on se rejoint après. Attends, tu devais pas aller à la bibliothèque? Si, mais non, mais j'ai changé d'avis, j'ai pas besoin en fait. Je me débrouillerai autrement. Ah bah voilà, Paul et Annette. Salut. Salut. Salut, on peut s'asseoir? C'est vrai. Alors? Alors quoi? Anthony et Blanche, alors, vous avez du nouveau? Non. Ah bon, non, parce que hier, ça avait l'air quand même bien parti. Bah ouais, plutôt. Est-ce que tu peux être curieuse, toi? Tu devrais avoir honte. Quoi? Non, mais c'est vrai, plutôt que de t'intéresser toujours à la vie des autres, tu ferais mieux de t'intéresser à la tienne. Qu'est-ce qui te prend? Attends, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, Paul, honnêtement, ce que je viens de dire, c'est valable pour toi. Parce que si tu t'occupais un peu mieux de ta vie, on n'en serait certainement pas là, tu vois. Bon, alors, on se calme, on se dispute surtout pas. Elle a très, très mal dormi. Ouais, c'est vrai.
Excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas grave. Là, là les autres. Salut. Bah, asseyez-vous. Oui, attends, je prends. Mais non, Annaëlle, tu vois bien qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Mais c'est Annaëlle, c'est bon. Attends, je te regarde. Mais non, voilà, regarde. Viens là. Bonjour. Alors, ta première nuit chez les garçons, ça s'est bien passé? Ouais, très bien, merci. Moi, j'y vais. Viens, Jérôme. Ça va, la bibliothèque. Mais je croyais que tu voulais pas y aller. Eh ben, j'ai changé d'avis. On se retrouve pour le déjeuner, c'est ou pas? C'est ça, oui. Bon, Jérôme, tu fais quoi, là? Tu viens? Bah oui, mais j'arrive. Salut, à plus, hein. Ouais, salut. Ouais, mais... Bon courage, hein. C'est juste. Enfin, qu'est-ce qu'elle a, ça va pas? Apparemment, elle a mal dormi. Tu rêves? Ah, excuse-moi de t'avoir réveillé, je suis désolé. Dis donc, je sais pas ce qu'elle t'a fait, Blanche, mais t'as l'air bien accrochée, là. Non, attends, c'est pas juste ce que tu crois, tu vois, c'est... On n'a pas dormi ensemble, elle a dormi dans le canapé, moi dans le placard, compris? Oh, sans blague. Et tu crois que je vais te croire, là? Pourtant, ça avait l'air bien parti, au Nélis, non? Ouais, non, mais Blanche, c'est le genre de fille, toi, qui couche pas avec n'importe qui tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Ah, j'ai compris. Ouais. Ah, excuse-moi, je savais pas que t'étais n'importe qui. Ah, désolé. Mais non, mais non, attends, arrête, je veux dire que c'est une fille bien, quoi, tu vois ce que je veux dire, une fille bien. Ouais, ouais. Ouais, ça a l'air sérieux, en tout cas. Ouais, je crois, je sais pas. Non, mais moi, j'en suis sûr. Ouais, c'est vrai que ça faisait longtemps que je m'étais pas senti aussi bien avec une fille, quoi. Je suis... Ouais. Eh ben, écoute, c'est super. Enfin, c'est pas encore le mariage, attention. Ouais. Non, mais je comprends. En tout cas, je suis ravi parce qu'elle t'a fait oublier Justine et ça, c'est le plus important. Ouais. Là voilà. Ah bah quand même, vous en avez mis du temps pour vous habiller. Ah oui, mais attends, c'est... Ça valait le coup d'attendre, hein. C'est ravissante, ça te va, ouh. Merci. Oui, bah non, mais toi aussi, Virginie, t'es... Bah oui, bon, et qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps? On a papoté vêtements. D'ailleurs, ah, regardez, ouais. Elle a fait un super croquis. T'as vu ça, un peu? C'est... Ah, c'est magnifique. Ouais. Faut pas exagérer, c'est vite fait. Hein. Si Anthony le dit, non, c'est... Non, je trouve ça super. Bah, j'arrête pas de dire qu'elle est super douée, mais elle est trop modeste pour l'admettre. C'est toi qui as du talent. Vous savez, elle devrait prendre des cours de dessin. Ah, bah tiens. Ah, tu as raison, Blanche. J'arrête pas de lui dire. Qu'est-ce que tu attends pour le faire, d'ailleurs? Je vais y mettre. Après mon permis de conduire, je vais y mettre. Ah bah, ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Tu verras, tu le regretteras pas. Bon. Dis-moi, Blanche, je peux le garder? Ouais, si tu veux. Merci. Bon, les filles, c'est pas tout, mais vous allez commencer par quoi, là? Par un cours de stretching. Ah, bonne idée. D'ailleurs, on va y aller parce qu'on va être en retard. Sinon. Ok, tout à l'heure. Ok. À tout à l'heure. Ah, bonjour. Qu'est-ce qu'elles ont, là? Elles sont pressées. Ah, oui, j'ai vu. Anthony, je voulais te demander, c'est sérieux entre Blanche et toi? Pourquoi? Parce que je la trouve super canon. Alors je me disais, si elle te branche pas complètement, moi de mon côté, j'aurais... Oui. Elle me branche complètement. D'accord? C'est compris? Oui. Salut. Oui, d'accord. Bon, ben, comme ça, c'est clair au moins, c'est mieux. Oh, si elle ferme la bouche, t'es l'air idiot. Oui. Ouais, d'accord. On a dit pour le déjeuner, hein, pas pour le goûter. Oh, elle a que 3 minutes de retard, c'est rien. Bon, bah écoute, tu fais comme tu veux, hein, mais moi je commande. Ouh là là, qu'est-ce que t'as râlé, toi, aujourd'hui? Mais je t'ai dit, j'ai mal à la tête. Bah moi, tu sais, quand j'ai mal à la tête, hein, je prends de l'aspirine. D'accord, et bah moi, j'attends que ça se passe. Bah, tu sais où elle allait ce matin, Virginie? À la salle de sport avec les garçons et Blanche. Est-ce qu'elle est collante, cette fille? Mais non, c'est Virginie qui lui a demandé de venir. Ouais, bon, d'accord. Mais quand même, t'as vu comme elle s'est incrustée chez les garçons? Non, t'abuses, hein. C'est Anthony qui lui a demandé de rester. Bon, peut-être. Mais c'est pas une raison pour le suivre partout, tout le temps là. Ouais, quoi. Enfin,
Ah bah tiens, voilà Virginie. Ah bah. Bah bravo, hein, Virginie. Mieux vaut tard que jamais. Bon, j'ai pas vu l'heure passer. Excusez-moi, les filles. Non, c'est rien. J'étais avec Blanche et on s'est bien même arrêté. C'était très sympa. Bah décidément. Il n'y en a que pour elle en ce moment, hein. Bah pourquoi tu dis ça? Bah je sais pas, vous passez tout votre temps avec elle. Bah attends, c'est normal, elle connaît personne à Paris, c'est pas facile au début, tu sais. Bon, je t'avoue que quand Anthony m'a demandé de m'occuper d'elle, j'étais pas sûre que ça se passe très bien. Mais en fait, elle est très très sympa, cette fille. Hein. Je regarde pas qui lui proposait de rester chez nous. Mmh. Toi, tu la trouves sympa, Blanche? Ah ouais, très sympa, ouais. Ouais, moi aussi, moi. Ah bon? T'as pas l'air du même avis, toi, hein? Moi, je... Enfin, je la trouve vraiment très intéressée, cette fille. Tu serais pas un peu jalouse, par hasard? Moi, non, pas du tout. C'est vrai que... Non, mais attends, qu'est-ce que vous allez vous imaginer, là? Je suis pas jalouse. Et dis-moi, Paul, tu le retrouves à la maison après déjeuner, non? Oui, non, mais t'inquiète pas, il m'attendra. Il est en bonne compagnie, il est avec ta mère. Ah, bah, comme ça. Change pas de conversation. T'es jalouse, c'est ça? Mais je suis pas jalouse. Je dis simplement que cette fille, je la trouve sans intérêt, c'est tout. Ouais, bon, tu sais, si Paul s'est intéressé à elle, c'est qu'elle était sûrement très intéressante. Bon, bah d'accord, peut-être. Peut-être. Je me trompe, elle est peut-être très sympa. Seulement, moi, je la connais pas assez pour en dire autant. Bah justement, ça tombe bien parce que je l'ai invitée à déjeuner, là. Elle est allée acheter du papier et des crayons, mais elle va pas tarder. Mon cœur fait boum, 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 quand mon cœur fait boum, quand mon cœur fait boum. Qu'est-ce qui te rend heureux, toi? T'es augmenté ou quoi? Comment t'as deviné? Quoi, attends, c'est pas vrai. T'es augmenté, pas moi? Attends, ça va pas se passer comme ça, je vois le patron, moi. Pourquoi tu rigoles comme ça? Tu cours pas, toi, hein. Tu galopes, derrière Martial Lowe. Ah, tu veux dire qu'il m'a fait marcher? C'est malin, ça. Ah, tu connais monsieur Laplace quand même, un radin comme il est, il va pas nous augmenter. Oui, ça c'est sûr, oui. On peut toujours espérer. Oui. Mais alors qu'est-ce qui te rend heureux? Tu sais quoi? Non, mais... Je suis heureux. Ah... Yeah. Yeah, 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 yeah. Ah oui, d'accord, ok. Ah, j'ai bah, réservé un super resto tout. D'ailleurs pour ce soir. C'est pas vrai? Attends, tu... Ah, t'es un vrai ami, tu vois. Ah, tu m'invites, ça me fait vraiment plaisir. Je t'assure, c'est vrai? Non, pas toi, Blanche. Ah bon, Marc, le miracle n'existe pas, je... Désolé. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas faire ton jaloux, quand même. Non, mais... Enfin... Bon, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si je peux t'en parler comme ça, là. Ah quoi, Annie? Ça me regarde pas, mais... Quoi? Blanche n'est pas libre ce soir. Attends, comment ça, pas libre? Non, elle a déjà prévu quelque chose avec quelqu'un, voilà. Ah non mais attends, mais j'ai appelé le resto, j'ai fait des pieds et des mains pour avoir une table ce soir, c'est un resto super chic, tu rigoles j'espère? Mais oui je rigole, je t'ai bien eu hein. C'est vraiment trop bête, je te jure. Attends, écoute, chacun son tour. Tu te moques de moi, je me moque de toi, oui, enfin, je veux dire, ça, c'est vrai. Ouais, ok, d'accord. C'est l'amitié, c'est... Ah bah non, en tout cas, ça fait aucun doute. Quoi? T'es très très amoureux d'elle. Bah ouais, oui. Écoute, je sais pas si c'est vraiment sérieux, mais... J'avoue qu'après Justine, bah, je croyais que je tomberais plus jamais amoureux, puis tu vois, bah, ça m'arrive, alors bah, c'est vrai que je me suis trompé. Tu vois, là, je suis vraiment heureux pour toi. Mmh. Enfin, malheureusement, je sais pas si c'est réciproque, quoi. Oh, arrête, tu me l'as encore dit ce matin, dire, si elle est sortie avec toi, c'est qu'elle en avait envie, personne ne l'a forcée. Ouais, c'est vrai. Regarde, quand on l'a présentée à Martial, elle a refusé de dîner avec lui, alors qu'avec toi, elle a dit oui tout de suite. C'est vrai. Bah, ça, c'est une preuve. Ouais. Oh, moi, j'aurais peut-être me méfier de ce Martial, là. Pourquoi tu dis ça? Regarde. Oh, quel culot! Non, mais je rêve! Attends. Salut, Martial. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Ah bah, je discutais avec Blanche, et puis Virginie ouais, aussi, enfin, ouais. Voilà. Attends, comment ça? T'as pas vu le directeur? Le directeur? Pourquoi le directeur? Mais le directeur voulait te voir, hein, Luc? Ah oui, et puis là, oui. Mais qu'est-ce qu'il me voulait? Ah mais je crois que c'était pour discuter de ton augmentation, tu vois? Ouais. Quoi? Une augmentation? Mais il est où? Il est où? Il est dans son bureau, Martial, évidemment. Eh oui, Bon, bah, excusez-moi, on discutera plus tard. Dépêche-toi, Martial. Il allait partir, là, il était vraiment sur le point de... Qu'est-ce qui vous arrive, là? Rien. Bon, bah, ça a l'air d'aller, vous. Ah, bah, c'est vous qui nous faites de l'effet. Annette et Justine ne sont pas avec vous? Non. Bon,
Ça vous dirait un petit sauna? Ouais, c'est une bonne idée. Avec plaisir, ça. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. On y va. C'est bizarre, il avait pas l'air au courant pour mon augmentation. Ton mal de tête est pas passé? Ça va, ça va. Pourquoi? Je sais pas, t'as l'air soucieuse. Mais non. Alors, t'as déjeuné avec Blanche? Ouais. Elle a l'air sympa, non? Tu vois, elle est un petit peu superficielle, hein. Ah ouais? T'as l'air étonnée. Bah oui, moi ça m'étonne quand Tony sort avec une fille superficielle. Ah ouais? En fait, on en a pas reparlé, mais comment tu trouves Anthony en ce moment? Alors, pourquoi tu me poses cette question? Bah, comme ça, moi je le trouve en super forme. Et en plus, il a l'air d'être amoureux de Blanche. Ah bah, décidément. Vous voulez tous se marier, Anthony, hein? Non, mais pas du tout. Non, mais je trouve simplement qu'ils vont bien ensemble, c'est tout. Pas toi? Ah non, pas vraiment. Bon, pourtant, regarde hier soir en boîte, il a pas arrêté de danser. Ouais? Et alors? Ça prouve pas qu'il soit amoureux de Blanche, hein? Non, enfin, ça prouve qu'il est heureux, non? Bon, est-ce qu'on va parler de Blanche et Anthony toute la journée, là? Non. Bon, on va s'asseoir. Quand on était plus jeunes, on passait notre temps sur les bancs. Ouais. Moi, je passais mon bras autour de ton cou et je t'embrassais. Ah, oh, écoute, Jérôme, arrête, on a plus 15 ans. Mais alors? Alors, ça me gêne. Tout le monde nous regarde. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai rien du tout. Attends, c'est pas ça. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui te tracasse. Mais non! Bon, t'as des ennuis avec un prof? Non, tout va bien. Excuse-moi d'insister, mais je te trouve une petite mine, moi. Bon, d'accord, t'as gagné. Voilà, j'ai un peu fatiguée en ce moment parce que tu sais que le code de la route, les cours de conduite, les examens, j'ai dû beaucoup travailler. Mais il faudrait que tu te reposes un peu. Tiens, j'ai une idée. Ce soir, je prépare à dîner. Ah oui? Bon, bah alors on ira au restaurant. Jérôme, j'ai pas très envie de sortir ce soir. Alors tiens, je sais ce qui te ferait plaisir. Je vais nous organiser un petit week-end en Normandie en amoureux. Non, ça va être super. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés tout seuls tous les deux. Ouais. Enfin, je sais pas, peut-être. Allez, dis-moi oui, s'il te plaît. Je vais pas t'en faire plaisir. Écoute, on verra. Ok. On rentre? Rentre si tu veux, mais moi j'aimerais bien un peu marcher seul. Tu comprends? Ça te dérange pas? Ah. Ok. T'es sûr que ça va? Ouais. Ouais, j'arrive. Salut, je dérange pas? Non, non, pas du tout, je suis toute seule en plus, ça tombe bien. Anthony a emmené Blanche dans un super resto et Luc est allé chercher l'huile d'olive, mais on n'en avait plus. Vous alliez dîner? Bah, je repasserai plus tard. Non, non, reste, je t'assure. T'es sûre, je vous dérange pas? Non, non, pas du tout, tu nous ennuies jamais, c'est okay. Très bien. Justine n'est pas avec toi? Non, non. Ben, vous aviez rendez-vous tout à l'heure pourtant. Oui, oui, on s'est vu, mais elle avait une course à faire. Ça t'ennuie si je continue à mettre la table? Oh, vas-y, fais comme chez toi. Oh, merci. Dis-moi, Virginie, tu trouves pas que Justine est un peu bizarre en ce moment? Comment ça, bizarre? Bah, je sais pas, je crois qu'elle a pas le moral. Non, je sais pas, j'ai rien remarqué. Je pense qu'elle doit être fatiguée, tu sais, vu le rythme qu'on a, ça serait pas étonnant. Oui, c'est ce qu'elle me dit, mais... Mais j'ai l'impression qu'elle me cache quelque chose. Non, non, enfin, c'est pas son genre. Hein. Si elle avait un problème, elle te le dirait, j'en suis sûre. Je pense qu'elle a besoin de se reposer, c'est tout. Ouais, c'est ce que je croyais aussi.
Et je lui ai proposé de passer un week-end en Normandie et elle a pas eu l'air d'apprécier tellement, donc... Ah bon? Mais je suis sûre que si tu la mets devant le fait accompli, elle sera ravie, hein, tu sais. Ouais, t'as sûrement raison. Ouais. J'ai dû faire 4 épiceries avant de trouver l'huile d'olive. Oh, mon pauvre chéri. Tiens, voilà. Merci. Ah bah, qu'est-ce que tu fais là? Eh bah, tu vois, j'étais dans le coin, alors je suis venu vous faire un petit coucou. Ah bah, c'est super sympa. Justine n'est pas avec toi? Non, elle faisait une course, là. Ah bon? Tu veux dîner avec nous? Non, c'est bon, je vais rentrer, parce que Justine doit m'attendre, donc... Ah bon, comme tu veux. Merci de m'avoir écouté, Virginie. Bon, tu plaisantes. Tu viens quand tu veux, en tout cas. Ok. Bon appétit. Ouais. Enfin, t'es sûr que tu veux pas rester? Parce que quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Hein. Non, c'est bon. Je vais rentrer. Ok. Merci. Bonne soirée. Salut, merci, vous aussi. Bon, il a pas l'air en forme, Jérôme. Hein. Non, ça, c'est moins qu'on puisse dire, oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est Justine. Bah quoi, Justine? Ben, elle est très jalouse de Blanche. Ah bon? Je crois qu'elle est encore amoureuse d'Anthony.